He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff that comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemy. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Amen. Mon Dieu, lui prie toi.
Thank you.
morning. Ici, c'est votre maison. Ici, vous êtes chez vous. Ils allaient venir pour la veille du 31, mais ce n'était plus possible parce que le frère allait travailler le lendemain. Alors, ils sont venus. Je vous dis, vous êtes ici. Chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des veilleurs me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette chose. Gloire au Seigneur. Béni sois-tu, ton de Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, toi qui nous as aimés dès avant la fondation du monde. Toi qui nous as prédestinés à être les fils d'adoption. Voilà pourquoi nous venons devant toi, Seigneur. Pas pour te demander quoi que ce soit, mais pour te dire merci. Car ceci, Seigneur, nous a été destiné au Dieu. Nous avions compris, Seigneur, au travers de l'ouverture du livre, que nos noms ont été trouvés là-bas. Et ils ont été mis là-bas dès avant la fondation du monde. Comme l'a dit ton prophète, Jésus est venu pour payer simplement les prix de notre héritage. Combien nous te sommes reconnaissants pour le retour de notre héritage. Béni Seigneur, ce moment précieux, béni la lecture de ta parole, et le nom précieux du Seigneur Jésus Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et bien que le Seigneur bénisse pour vous asseoir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais continuer avec l'histoire de la rédemption. Et mon titre d'aujourd'hui, c'est le retour du livre. Amen. Amen. Le retour du livre. Ici, nous ne croyons que le frère Branham. Amen. Amen. Donc, tout ce que moi je crois, c'est ce que Branham a dit. Je m'en fous de ce qu'un pasteur a dit. Je m'en fous de ce que tout le monde pense. Mais moi, ce que je crois, c'est ce que William Branham a dit. Amen. Dans Apocalypse 5, nous voyons qu'il y a un homme qui est assis sur le trône. Et dans sa main droite, il tient un livre. Ce livre-là est scellé. Amen. Frère Branham dit que Dieu n'a pas une main droite. Frère Branham dit que la main droite, c'est la main de sa
puissance. Amen. Parce que Dieu devait délivrer Israël par sa main puissante, qui était Moïse. Amen. 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 Et la même question, c'était un homme, Moïse, un prophète. Ici, nous voyons Dieu avec un livre scellé de sept sceaux. Ici, ce scénario se passe au ciel. Et j'ai vu un ange puissant qui crée d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre? N'est-ce pas? Et d'en rompre les sceaux, c'est une question. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, non pas seulement ouvrir le livre, mais regarder, il n'y avait personne. Et si nous parlons en termes de, d'après la croix, Jésus était déjà mort hein, à la croix. Mais le livre était encore hein, fermé. J'ai dit ceci. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne de trouver le livre, ni de le regarder. Femme enfin, dit, pourquoi est-ce que Jean pleurait? Il dit parce que le monde allait repartir dans les atomes. Une destruction totale. Après la croix, ici Jean pleure. Parce que personne n'était trouvé digne. Waouh. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les mots de la tribu de Judas. Virgule, les rejetants de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sections. Waouh. Là maintenant, les pleurs ont cessé. Maintenant, Jean commence à jubiler. Le frère nous dit que Jean, c'est le type de l'épouse. Amen. Vous croyez le frère Branham? Branham, Amen. Amen. Frère Branham dit que quand Jean maintenant a tourné pour voir, il voit qui? Il voit l'agneau. Comme un immolé. Ah. Le veillard dit le lion. Mais Jean lui voit l'agneau comme immolé. Donc c'est que le veillard a menti. Amen. Frère madame dit la Bible doit être lue avec beaucoup d'inspiration. 6. Et j'ai vu au milieu du trône et des 24 vieillards, des 24, pardon, des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. L'agneau n'était pas immolé, mais il était comme immolé. Donc c'est-à-dire que l'agneau en question avait le sang sur lui, mais il n'était pas blessé. Or le sang, c'est la vie Zoé. Nous savons que le frère nous dit que dans les anges de Christ, au milieu du chandelier, il y avait quelqu'un qui était semblable au Fils de l'homme. Et celui qui était semblable au Fils de l'homme, ce sont les sept messagers. Le frère nous dit que les sept messagers étaient les saints répandus dans les anges de Christ. Amen. Donc, chaque messager était le saint. C'est quoi le saint? Le saint, c'est la parole. Paul est venu avec une portion de la parole. Il revient ainsi de suite. Tout le monde là-bas, c'était ça. L'agneau a sept corps. Et quand Jean regarde, il voit un agneau à sept corps. Frère Madame dit que les cornes, ce sont les défenses de l'animal. Amen. Ici, ce n'est plus un agneau qu'on va frapper, mais ici, c'est un agneau qui se bat. Amen. Voilà pourquoi les saints églises avaient quatre êtres vivants. Et tout de l'autre côté, avait quatre chevaux. Il envoie les chevaux le blanc, lui aussi, il envoie les lions. Ce n'est plus là-bas, c'est quand on avait crucifié là-bas. Dans les anges de Christ, l'agneau combat. Oui. On envoie le cheval blanc, on envoie les bœufs. On envoie le cheval noir, on envoie les bœufs. On envoie le cheval noir, on envoie l'homme. Et la dernière carte, yes, j'aime ça. Quand on envoie le cheval pâle, on envoie la laine. Et l'aigle, c'est William Manon Bani. Qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle nous amène même dans les hauteurs. Yes. Faut vraiment dire que tous les êtres vivants se
l'homme il était la terre. Mais l'aigle, il faut bien dire que l'aigle, c'est un oiseau des hauteurs. L'aigle n'est pas un oiseau terrestre. Nous ne sommes pas en train de prêcher un message qui va dire aux gens comment avoir de l'argent comme non. Nous prêchons les gens le message du ciel. Amen. Et le message du ciel promet la bénédiction de l'argent. Cherchez premièrement le royaume. Et ce qui sera donné. Amen. La Bible dit, je n'ai jamais vu un juste et abandonné. Amen. D'ailleurs, Frère Branham dit prospérer à tous égards. Amen. Ça a été même financièrement. Amen. Voilà mon problème. Parce que Bill Gates n'est pas un chrétien pour être riche. Amen. Mais Bill Gates n'a pas la vie éternelle. Et si nous parlons des choses, elle dit, voyons. Maintenant, quand on envoie l'aigle, qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle nous amène dans les hôtels. Et quand l'aigle mène maintenant les enfants de Dieu dans les hôtels, il leur montre des choses que le diable ne peut pas connaître. Parce que le diable avait le droit d'embrouiller la parole du premier au quatrième son. Cinquième son, le diable avait tout le pouvoir. Voilà pourquoi dans les derniers âges, il fallait un oiseau des hôtels. Voilà pourquoi nous disons que dans l'âge de Branham, lui qui était l'être vivant représenté, qui était un aigle. Voilà pourquoi le message de Branham, ce n'est pas un message de la terre. C'est un message du ciel. Voilà pourquoi il disait toujours que mon message viendra. Frère Branham dit que mon message, le message de Jésus, c'était le sec du saut. Il dit si j'ai prêché quelque chose de vrai dans ma vie, c'est le sec du saut. C'est la base du message du frère. Vous avez entendu la vie du message où on ne touche pas les sauveurs. Sauter de cette église. Puisque, je vais vous montrer, les sceaux, on dit qu'il y avait un livre scellé des sept sceaux. Parce qu'avant l'ouverture du livre, Jean a pleuré. Celui qui ne voit pas un livre ouvert, c'est quelqu'un qui lui pleure. Puisque tu ne connais pas ton sceau. Au revivre et au recouvre. Puisque le livre est scellé. Quand le livre est scellé, on ne connaît pas ce qui est dedans. Amen. Amen. On ne connaît pas ce qui est dedans. Jusqu'à ce que le livre sera ouvert. Après, on va commencer à appeler le nom. Chaque personne là écoutera son nom. Amen. Amen. Nous sommes dans l'âge de l'aigle. Nous étions dans l'âge de l'aigle. Mais Apocalypse chapitre 10. Nous étions. Nous étions. Ah, c'est là le quatrième siècle. Aujourd'hui, nous sommes dans les septième siècle. Yes, sir. Nous allons seulement prendre Apocalypse chapitre 10. Prenons Apocalypse chapitre 10, verset. On commence au verset. Non, on prend le verset 1. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Amen. Dans Apocalypse 7, le livre était fermé. Mais ici, nous voyons l'ange qui descend avec un livre ouvert. Amen. Mais quand il descend, Paul a dit réellement comment on le décrit. Il avait le visage comme le soleil. Paul a dit qui est celui-là qui peut regarder, qui peut fixer le soleil à midi. Quand vous brûlez les yeux. Donc ce n'est plus un agneau qui vient. Il quitte l'étape de l'agneau combattu. Il quitte l'état de l'agneau qui combattait. Mais là maintenant, il prend la forme d'un juge. Amen. Amen. Parce qu'avec un juge, on combat pas. Le juge ne combat pas, il ne discute pas. Yes. C'est dans les âges de Christ qu'il est en train de combattre. Voilà. Mais après les âges de Christ, il ne combat plus. Yes. Là maintenant, il est en train de faire tomber les sentences. Voilà. Parce qu'il est le juge avec le visage comme le soleil. Voilà. Les pieds comme les colonnes de feu. Faut entendre le pire qu'on le fait, c'est pour juger. Et faut entendre remarquer que sa ceinture était déjà au niveau de la taille. Voilà pourquoi quand vous voyez le prêtre catholique, le cardinal monseigneur, quand il était monseigneur, sa ceinture était ici. Mais remarquez monseigneur maintenant, sa ceinture est ici. Pourquoi plus? Quand on regarde monseigneur, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est ici. Quand ils le savent, les juges.
Parce qu'il est cardinal. Amen. Amen. Il a une autorité du pape pour juger. Et nous savons que ça, c'est des limitations. Voilà. Mais le véritable juge, il est descendu lors de la descente de Dieu. Amen. Amen. Le frère Branham dit que regardez ses yeux. Regardez son nom. Regardez sa barbe. Il est le juge suprême. Amen. Non pas la deuxième personne de la divinité, mais le juge suprême, amen, le créateur de Jésus. Amen. Amen. C'est comme ça que le frère Branham a présenté la divinité. Voilà. Dans les deux missions. Ça, c'est noir sur le blanc. Ouais. Quand il descend, il est un juge. Amen. Il n'est plus un agneau. Yes. Il n'a plus le temps de combattre. Il a non. fini de combattre. Voilà. Dans sa première venue, il a combattu. Il est mort sur la croix. Dans la deuxième venue, il a combattu dans les âges de l'Église. Amen. Mais quand il redescend encore, comme le juge, ce n'est plus pour combattre, pour juger. Amen. Amen. Et quand il descend là, il descend avec un livre qui est ouvert. Et là maintenant, on ne voit plus Jean en train de pleurer. Il avait pleuré dans l'Apocalypse chapitre 5. Dans l'Apocalypse chapitre 10, ce n'est plus un chien qui pleure. Par contre, Jean a vu le sept tonnerres. Quatre. Quand le Seigneur eut fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est le Seigneur de l'Éternel et ne l'écris pas. Frère Branham dit que pourquoi est-ce que Jean avait écrit? Jean avait écrit parce qu'il avait vu. Avant, Jean n'avait pas vu. Mais maintenant, Jean voit. Il veut écrire. Il dit, oh Jean, tu vas commencer à écrire le septième psaume avant? Non, laisse d'abord. Parce qu'à l'époque de Jean, ce n'était même pas le commencement des âges de l'Église. Parce que Jean avait vu ça dans le préview. Amen. Lui, il voulait écrire. Frère Branham dit que non, ça devait être gardé secret. Parce que si le diable s'en empare, il va faire des dégâts. Il dit Jean, c'est, n'écris pas. Mais écoutez, mais à la voix. My. Amen. Mais à la voix du Saint-Ange, le mystère de Dieu sera accompli. Amen. Maintenant, est-ce que ici la Bible dit que les sectionnaires ne sont pas révélés? Mais comment ça se fait que dans les messages de sort, vous avez des gens qui disent que les sectionnaires ne sont pas révélés? Mais les sectionnaires, c'est qui? Non, frère, ça nous sérieux? Qui est le sectionnaire? C'est frère Branham. Mais où est le frère Branham? Il est parti. Mais qui va ouvrir les sorts? Qui va révéler les planètes? Parce que c'est le frère Branham qui devait le faire. Non, non, pas ce que Branham dit. Amen. C'est pour la Bible qui dit qu'à la voix du septième ange. Non, 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 le frère Branham. Non, le frère Branham l'a fait. Si c'est la voix est dans les barres et les brochures. Amen. C'est-à-dire que si c'est la voix qui a ouvert, qui a révélé le tonnerre, la voix l'a fait déjà dans les brochures et les barres. N'ont pas été prêchés aujourd'hui. Non. C'est des choses qui datent de très longtemps, avant même ma naissance. Amen. Donc nous sommes venus pour constater que les sceaux étaient déjà ouverts. Voilà. Parce que l'espoir de tout un peuple, c'était le livre des sceaux. Voilà. Amen. Mais vous imaginez maintenant combien les dénominations sont dans la boue. Il était sans livre ouvert. Mais vous allez regarder quoi? Vous faites les maths, vous faites maths physiques, mais vous n'avez pas les livres. Ou bien vous avez un livre fermé, mais vous ne connaîtrez jamais maths. Parce que dans toutes les églises, il s'agit de la rédemption. Donc si nous allons à l'église, c'est parce que nous avons été rachetés. Et tout le monde qui va à l'église, c'est dans l'espoir d'être racheté. Maintenant, les gens ont mis les rachats de côté, ils commencent à faire exactement la même autre chose. Amen. Alors, 5, après 10. Et l'ange que je voyais, debout sur la mer, et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Et je jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve. La terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve. Qu'il n'y aurait plus de temps, plus de délai. Pardon. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, maintenant, nous ne sommes pas les pentecôtistes. La trompette, nous savons c'est quoi. Voilà. Qui sonne la trompette? C'est les frères Branham. La trompette, c'est pas le papa, 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 papa. Non. La trompette, c'est le message. Le message a déjà été proclamé. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Il n'y a aucun mystère qui reste quand le frère Branham parle. Le frère
mystère. On ne dira plus que le septième ciel n'est pas encore révélé. Pendant que le frère Branham est parti. On ne dira pas que les sept honneurs ne sont pas encore révélés pendant que le frère Branham est parti. Tout devait déjà s'accomplir du vivant du frère Branham. Amen. Amen. Et la voix des anges entendue du ciel. Non, pardon, je continue. Quand je serai la trompette, le mystère s'accomplirait quand il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Maintenant, dans le chapitre 5, retournons dans le chapitre 5, le verset 9. C'est le livre qui est encore fermé. Amen. La Bible dit ceci. Je commence au passage, au verset 4. Quand il y a pris les livres, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Maintenant, et ils chantaient un cantique nouveau. Amen. En disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait Dieu un royaume de sacrificateurs. Dans la Bible anglaise, on dit, tu as fait de nous kings and priests. Tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc il a fait de nous des rois. Amen. Et les sacrificateurs. Pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Maintenant, ici, là, il y a un cantique nouveau qui est chanté. Là-bas, Jean pleurait. Mais après, on nous montre Jean. On nous montre les gens qui chantent un cantique nouveau. Maintenant, on va l'arriver là-bas. Je vais d'abord vous montrer ce qu'est le niveau de la rédemption. Dans la prédication à l'adoption, faites bonne décision. And now this may just shock you to death. Ça peut vous choquer à la mort. But did you know that men that are sons of God are amongst of God? Est-ce que vous savez que les gens qui sont les enfants de Dieu sont les dieux en matière? Vous croyez ça? Amen. How many ever know that? Combien connaissent ça? How many know that Jesus said so? The Bible. Jesus said, did not your law say itself that you are gods? Est-ce que la loi ne vous dit-elle pas que vous êtes des dieux? Amen. Nous sommes des dieux. Parce que pour être un enfant, il faut être dieu. And if you call them gods, which God said in Genesis 2 that they were gods because they were had full dominion over the dominion of the world. He gave them dominion over all things. Il lui a donné la domination à toutes choses. Ça c'est vrai. And he lost his godship. Il a perdu sa divinité. Qu'est-ce qu'Adam avait perdu? La divinité. Donc, ce qu'on rêvait à Adam, c'est la divinité. C'est ce qu'on avait dit dernièrement. Le fait qu'on a dit que la divinité en question, c'était un nuage blanc. Yes. C'est le fait qu'on a dit. C'était un nuage blanc. Le fait qu'on a dit que c'est ce que Adam avait perdu. Il avait perdu his godship, sa divinité. He lost his sonship. Il a perdu son affiliation. He lost his domain and Satan took it over. But, brother, we are waiting for the manifestations of the sons of God who will come back and take it over again. Nous sommes en train d'attendre la manifestation des enfants de Dieu qui reviendra pour les récupérer. Amen. Waiting for the fullness of time. Parce que la parole dit que l'âge réduit qu'il n'y aura plus de délai. Ici, on attend le fullness of time. When the pyramid gets up to the top,
Car la pyramide arrivera au sommet. Amen. Or, nous savons que la pyramide, c'est les âges de l'Église. Et au sommet de la pyramide, il faut qu'il y ait quelque chose pour coiffer. Et le frère Branham nous dit que la descente de la Niouée, c'est ça la tête de la pyramide. Et la Bible nous dit que la pierre qu'on rejetait les bâtisseurs est devenue la principale de l'âme. Ça dit que le même Christ qui était là revient maintenant avec les mêmes œuvres. Comment on reconnaît Christ? Voici un Israël dans qui il y a point de faute. Écoutez Nathanaël. Où m'as-tu connu? N'es-tu pas le Messie qui devait venir? Frère, voilà comment les Juifs reconnaissent. Yes, sir. La femme au puits, la même chose. Va appeler ton mari. J'ai des points de mari. Ah, tu vas livrer. Parce que celui qui est chez toi là-bas n'est pas ton mari non plus. Monsieur, n'es-tu pas le Messie? Écoutez Jésus, je suis moi qui te parle. Or, aucune fois Jésus se présente comme ça. Mais la femme a reçu la grâce, Jésus s'est présenté. La touche qui était sur la tête, pour la terre. Elle a commencé à fuir. Venez voir cet homme qui m'a dit tout sur ma vie. N'est-il pas le Messie? Voilà comment on reconnaît le Messie. Maintenant, les choses là, ici, on n'a pas eu ça. Oui, monsieur, on a eu toutes ces choses-là. C'est pour montrer que nous sommes arrivés au temps de la terre. Là où la pyramide devait être coiffée. Where the full sense of God will be manifested. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Amen. Mais même la meilleure personne avait compris les secrets. Ce jour-là, la meilleure personne est venue chercher sa guérison aussi. Les femmes maintenant vont repousser la meilleure personne. La meilleure personne revient encore. Les femmes maintenant les repoussent, elle revient encore. Et Dieu dit à mon frère, bon, dit, mais. Toi, tu ne comprends pas que cette bête-là a besoin de la guérison. Et le frère Branham ne savait pas que la guérison, c'était aussi pour les animaux. Amen. Il a prié et la mère au poussin est partie. C'était pour montrer que les dons étaient encore de nouveau sur terre. Amen. Ça marche. Alors, quand la dispensation arrive, c'est bon. Quand la dispensation arrive au niveau de la tête. Maintenant, le frère va nous dire ici, à Proverbe chapitre 5. Dans les cinq sceaux, il révélera la manière dont il a accompli cela. Amen. Dans les cinq sceaux, il nous montrera comment est-ce qu'il l'a accompli. Frère nous dit que la révélation. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Et on vient maintenant nous dire comment est-ce que cela s'est passé. Frère Pasteur, je dois changer de Bible. Maintenant, nous remarquons que lorsque son œuvre de médiation fut terminée, l'œuvre elle-même était finie. Dans les trois premiers chapitres, nous voyons son œuvre terminée dans l'Église. Mais maintenant la rédemption doit être révélée. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Quand le livre vient, c'est pour nous révéler la rédemption, nous montrer comment est-ce qu'il l'a fait. Il dit ceci. Quand il prit ce livre, maintenant essayez de méditer profondément là-dessus. Parce que si nous pouvons avoir cette soirée, vous pourrez comprendre. Maintenant, c'est quoi le livre? Après, c'est le 5 jours. Ça, c'est quand même. Maintenant, notre parent prend le livre de la rédemption qui est scellé de 7 sceaux. Ça, c'est le vrai parent. Donc, le livre que nous venons de lire en Apocalypse chapitre 5, c'est ce livre-là. Amen. De la même, son propriété originale. Quand nous l'avons perdu du jardin au jardin de l'Éden,
Au travers de la date, il est retourné aux propriétés originales. Mais il y avait un braconnier sur la terre, un indice Satan. Il est venu et c'était un braconnier. Cette terre ne lui appartenait pas, ne lui appartient pas. Elle appartient à Dieu. Mais c'était un braconnier, un indice, et je pourrais dire quelque chose de même là. Mais je ferais mieux de me dire. C'est le titre de propriété de notre rédempteur. Ce livre portant cette sceau. C'est le titre de propriété. Attendez jusqu'à ce que nous arrivons à ce soir. Donc le livre de la rédemption, c'est quoi? C'est le livre, c'est le de cette sceau. Ça, c'est le frère, madame, c'est pas moi. Donc, quand nous avons ce livre entre nos mains, là, nous savons maintenant que nous avons le livre de la rédemption. Et si nous avons le livre de la rédemption, cela veut dire que nous avons déjà été rachetés. Voilà pourquoi le frère, madame, dit que il nous racontera l'histoire de la rédemption. Voilà pourquoi moi je suis en train de prêcher l'histoire de la rédemption. Amen. Maintenant, au ciel là-bas, après chapitre 5, il y avait un groupe de gens qui chantaient. La Bible dit, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les autres. Quand tu as été immolé, et tu nous as racheté pour Dieu, pour ton sang, par ton sang, des hommes de toute tribu. Maintenant, un frère pose la question, frère Barnabas. Il dit ceci. Dans Apocalypse, au verset 5-9, qui sont ceux qu'on trouve en train de chanter quand l'agneau prend le livre? Est-ce que ce sont les saints qui ont été enlevés? Écoutez le frère Barnabas. Non. Apocalypse 5, 9 plutôt. Non. Si vous remarquez, ce ne sont pas les saints. Il n'a pas encore réclamé son bien. Vous voyez? Ce ne sont pas les saints. Si vous remarquez, ce sont les anciens et les êtres vivants et ils chantent. Écoutez le frère là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est aussi simple que ça. Il est arrivé quelque chose. Vous voyez? Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Est-ce que tout le monde se sent bien? L'Assemblée dit Amen. Personne qui est malade, ni rien. Un frère de l'Assemblée dit, réalisez le verset 9 d'Apocalypse, chapitre 5. Amen. Parce que les frères ont dit que ce sont des êtres vivants. Les frères avaient posé la question, est-ce que ce n'est pas l'épouse qui était enlevée? Les frères ont dit non. Et après le frère Baron ne se sent plus bien. Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il dit, non, tout le monde va bien. Mais c'est quoi le problème? Le frère dit, réalisez encore. Le frère m'a dit, oh, la question à laquelle je viens de répondre, maintenant voyons. Le bon endroit, quand il ouvre, le livre, les quatre êtres vivants et les quatre anciens se prosternèrent devant la nuit. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Les voici, j'avais fait erreur là-dessus. Voyez, tu as racheté pour Dieu le sang, par le sang des hommes et de toutes les tribus. C'est exact. Maintenant, qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, si ce n'est pas la présence du Saint-Esprit qui est ici, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, il n'avait lu que la première partie de ce verset. C'était seulement quelque chose qui avait été écrit ici. J'essaie de me dépêcher pour terminer en regardant l'horloge. Mais vous avez vu comme il m'a arrêté là-dessus. Gloire! Vous voyez, je n'avais pas lu l'autre partie. J'ai pris juste ici, regardez l'autre partie. Du tout. Vous voyez, j'ai pris juste, pardon, regardez bien. Il chantait un cantique nouveau. Je me suis arrêté, vous voyez, mais regardez bien. Les cantiques qu'il chantait en disant, tu nous as rachetés de toutes les tribus. Maintenant, ici, dans Apocalypse chapitre 5, c'est l'épouse qui dit que tu nous as rachetés. Avant même d'arriver au chapitre 10, au chapitre 5, pendant que l'agneau voulait ouvrir le livre devait être ouvert à la présence de l'épouse. Écoutez, frère Bonne, oh là là. Vous le voyez, en passant, il y avait une autre question après.
Non, vous voyez, ce sera terminé pour les 10 des nations. Une fois que l'épouse aura été enlevée de la terre, l'Esprit de Dieu quitte la terre. Donc là-bas, Apocalypse chapitre 5, c'est l'épouse qui chantait le nouveau cantique. Ce n'était pas les êtres vivants, parce que le frère Branham a corrigé ça. Oui. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 5, le livre qui est ouvert, mais l'épouse est déjà là. Mais aujourd'hui, nous avons un livre ouvert. L'épouse était là quand le livre était fermé. Je sais que c'est tout à même. Maintenant, le livre est ouvert. Comment est-ce que l'épouse va faire ça après l'ouverture du livre? Ça brise les plans. Amen. 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 Mais le Seigneur nous dit non. Vous voyez, tout sera terminé pour l'église des nations. Une fois que l'épouse aura été enlevée de la terre. L'Esprit de Dieu quitte la terre. Celui qui est saint se suit encore. Les juifs pratiquent encore la justice. Celui qui est saint sanctifie encore. Autrement dit, le sanctuaire devient rempli de fumée. Voilà. Amen. Là où l'avocat se tient pour plaider la cause, Christ quitte le sanctuaire, son temps de médiation est terminé. Le Christ faisait la médiation dans les anges de l'Église avant l'ouverture du livre de la rédemption. Fabien dit qu'il intercédait pour l'ignorance. Parce que les gens ne connaissaient pas les baptêmes du Père, les Fils du Saint-Esprit, toutes ces choses-là. Le leader qui était le messager, il était même un fumeur de cigares. Voilà. Avec beaucoup de femmes. Fabien dit que l'agneau était là en train d'intercéder. D'ailleurs, Fabien dit que le leader, c'est lui qui avait inspiré comment Hitler a tué les juifs. C'est lui qui l'avait inspiré. Mais il était un messager. Voilà le travail de l'agneau sur le trône. Il était en train d'intercéder. Ça, c'était avant l'ouverture du livre, quand sa ceinture était là. Quand il était sacrificateur. Maintenant, après l'ouverture du livre, l'agneau devait d'abord se tenir debout pour aller prendre le livre. Quand il se tient debout, il quitte son trône d'intercession. Amen. Pour aller récupérer le livre. Amen. L'intercession, quoi le fait? On ne peut pas parler de l'intercession avec un livre ouvert. Quand même. Non, 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 non. Elle va prendre. Il a pris le livre. Il est parti. Après ça, il est parti. Mais lui, mais l'autre. Non, la Bible dit qu'il est parti prendre le livre. La Bible ne mentionne pas qu'il va retourner. Il va retourner pour faire quoi? Il était assis là parce que le livre était fermé. Mais quand le livre est ouvert, c'est inutile pour nous de rester encore assis. C'est fini. Mais Dieu ne rachète pas personne par personne. Dieu rachète par prédestination et par représentation. Amen. Amen. Quand Jésus était mort sur la croix, il est mort pour nos péchés. Est-ce que toi tu étais là? Est-ce que Jésus devait d'abord dire que non, je vais d'abord attendre le frère Pres ou le frère Joseph quand il va venir, après je vais mourir sur la croix. Mais il attendra longtemps. Jésus est mort à la croix. La Bible nous dit qu'il a payé au double de nos péchés. Les péchés commis et les péchés que nous allons commettre, il a déjà fait. Amen. Et la rédemption se fait de la même manière. Quand on vous dit que l'agneau a quitté le trône, ne te dit pas que oh, moi je suis foutu. Non, il a intercédé pour toi quand tu n'étais même pas encore né. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Après la naissance, tu viens simplement pour constater. Yes. Et nous sommes venus à ce monde, le livre était déjà ouvert. Amen. Oui, monsieur. C'est pourquoi tu as répondu à l'appel. Yes. Amen. Lorsque le livre est ouvert, on appelle bien les noms. Voilà pourquoi tu aimes ces messages. Amen. C'est comme le rite. Amen. La profondeur qui appelle une autre. Si ton nom n'est pas dans le livre, tu ne viendras pas. Mmh. Voilà pourquoi nous on ne force pas les gens à judaïser. Yes. Non, vous avez le message, non, on ne force pas les gens. C'est quelque chose de naturel. Amen. Quelqu'un qui a la semence de Dieu, frère, dès qu'il rapporte le message, il y a une attraction. Amen. Vous n'allez même pas le forcer. Dès une fois même, il va suivre le message. Amen. Si vous voyez un homme qu'on force pour suivre le message, c'est qu'il n'y a rien dedans. Amen. Nous savons déjà, même moi, dans ma famille, je ne bouscule pas les gens. Voilà. Quoi, non. Amen. Frère Branham dit que si quelqu'un n'est pas un prédestiné, il ne croira pas la parole. Jamais. Ce n'est pas de sa faute. Jamais. C'est comme si tu mets un aimant ici, après il y a des parties de plastique. Mais tu dis au plastique, mais pourquoi vous n'êtes pas attiré par l'aimant? Ce n'est pas la nature.
Tu ne peux pas placer les papiers, c'est leur nature, ils sont comme ça, ils sont papiers, ils sont papiers, ils sont plastiques. Mais le métal sera attiré par les mains. C'est ça le message des frères Branham. Et je vous dis qu'en dehors de ces messages, frères, il n'y a rien. Il n'y a que la mort. Amen. Amen. Les frères Branham, Christ quitte les sanctuaires. Son père de médiation est terminé. L'enlèvement a lieu. Il quitte le sanctuaire, ça va prendre le livre de la rédemption. Il prend possession de tout ce qu'il a racheté. Et il n'y a plus l'œuvre de médiation. Combien comprennent ça? J'en ai parlé quand j'ai traité de l'un des sceaux. Les sceaux, je crois que c'était ça. Christ avance pour prendre possession du produit de son œuvre de médiation. Maintenant, dans les âmes qui sont maintenant en prison. Ne faites pas de ceci. Le nombre 7 est toujours un mystère. Observez ce 7. C'est l'achèvement. On a eu combien d'âges d'église? 7. C'est l'achèvement. C'était quoi? La venue du Seigneur. Yes. Les cieux étaient sereins. Silencieux, personne ne bougea parce que Jésus lui-même a dit, même un ange du ciel ne sait pas quand je reviendrai. Lors de la descente de la nuit a fait combien de minutes là-bas? 28 minutes. Demi-heure. Un silence d'environ d'une demi-heure. Amen. Frère, ça c'était un grand événement. Oui, monsieur. Le frère dit que c'est ce que Jésus a dit aux disciples. Ce n'est ni moi, ni mon père, et parmi les anges, mon père seul. Même quand Jésus était sur la terre, il ne connaissait pas les sept émissions. En tant qu'homme. Parce que Jésus n'avait pas menti, il avait dit la vérité. Tant est-ce que sera le jour de ton avènement, il dit, je ne sais pas. Ni moi, ni les anges. Parce que cette portion-là était silence. C'était un silence. Personne ne pouvait deviner le silence. Jusqu'à ce qu'un prophète est venu maintenant, qui avait le droit de couper le sommet de la pyramide. Et il prend maintenant le sommet de la pyramide en train d'interpréter les pierres qui n'étaient pas écrites. Quelque chose que personne n'avait expliqué. C'est ce que Branham a fait. Voilà pourquoi nous disons que le message de Branham, c'est au-delà. C'est le plus grand de tous les prophètes. Amen. Moi-même, je ne connais même pas à quelle heure. Le Père, lui, l'a mis dans sa pensée. Dieu seul le sait, veut dire l'Esprit. Mais je ne savais pas. Vous voyez, cela ne fut pas révélé. Quand ces sept trompettes sonnent, ou plutôt les sept anges, ou un seau fut ouvert, alors il y eut un silence dans le ciel. Vous voyez ce qui arriverait, ne fut pas révélé. Donc, ça, c'est le septième son, qui était un silence. Et le septième son, nous savons que c'est Apocalypse 10, 1 à 16. Et le frère nous dit quelle est cette attraction sur la montagne du soleil couchant en Arizona. Le frère nous dit que c'est Dieu qui accomplissait sa parole d'Apocalypse 10, 1 à 7. Amen. Donc la descente de la nuée, c'est Apocalypse chapitre 10. C'est l'ange pour ça qui descend, qui met un pied sur la mer et un pied sur la terre. Et un petit livre, il lui reste ouvert dans sa main droite. Et la main droite, c'est toujours elle, non, en fait. Voilà pourquoi l'ange là, le sept anges devait être sur la terre au moment de cette venue. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la main droite de Dieu. Parce que dans la main droite, il y avait sept étoiles. Paul, Irénée, Colombin, ainsi de suite. Mais la dernière étoile, l'espoir de Dieu, c'était William Aron. Voilà pourquoi il était un messager prophète. Il fait d'abord son travail de messager dans les sept âges. Yes. Après, il dit que oh, quelque chose m'arrivera. Soit c'est la fin de mon ministère. Ou soit il m'enverra dans le désert pour me poindre. Et après m'envoyer comme les promis. Amen. Il a changé le ministère. Et quand il est revenu maintenant, c'est avec le livre de la rédemption. Parce que c'était le dernier messager qui avait le dernier travail. Amen. Et ce livre de la rédemption a concerné toute l'humanité.
Parce que l'histoire de la rédemption a commencé depuis Adam. Pas depuis les Juifs, depuis Adam. Amen. Les hommes en prison. Mais c'est sous le sixième sceau où ces trompettes sonnèrent. Souvenez-vous que là, nous voyons que l'agneau s'est avancé et est apparu sur la scène. Il avait quitté le trône de miséricorde. Son œuvre de la rédemption était terminée. Il s'avança, a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et il n'y eut plus de temps. Et immédiatement, un ange apparaît au chapitre 7, au chapitre 10, verset 7. Cet ange descendu et jura qu'il n'y aurait plus de délai. Ça, c'est pour le chapitre 10. Mais voyez-vous, dans ce livre se trouvaient ceux qui étaient rachetés. Amen. C'est-à-dire que dans l'Apocalypse 10, il y avait le livre qui est descendu. Et dans ce livre-là se trouvaient les noms de ceux qui étaient. Parce que jamais le livre de la rédemption devait descendre sans que les rachats puissent prendre fin. C'est-à-dire que tout le monde, même les derniers, voilà, étaient déjà rachetés. Parce que Dieu ne fait pas les choses en moitié. Dieu ne pouvait pas faire descendre le livre de la rédemption sans racheter les derniers membres. Tout le monde était déjà racheté. Maintenant, comment est-ce qu'on rachète les derniers? Ce n'est pas que l'on va appeler les noms. Non, Dieu l'a déjà fait. D'ailleurs, Jésus, déjà sur la croix, il a racheté tout le monde. Amen. Alors, et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ce livre. Tout ce pour qui il est mort était inscrit dans ce livre. Et il ne pouvait pas quitter son siège de médiation. Voilà. Jusqu'à ce qu'il ait accompli tous les rachats. Amen. 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 Il a patient. Frère, nous savons que si le livre n'est pas ouvert, l'agneau ne quitte pas le trône d'intercession. Et si le livre est ouvert, l'agneau va quitter le trône d'intercession. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prend le livre. Le frère dit qu'il ne pouvait pas quitter le trône d'intercession sans que tout le monde puisse être racheté. Ceci veut dire que tout le monde est déjà racheté. C'est-à-dire que Dieu est élu n'attendait pas. Mais quand on dit que nous attendons le dernier livre, ça c'est charnel. Mais ça pense qu'on montrera le dernier livre à Sky News. Sky News, voici les rachats du dernier élu. Le dernier élu est racheté. Frère, ça ne se passera pas comme ça. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. L'ouverture du livre nous montre que le dernier élu a déjà été racheté. Frère, c'est encore dur qu'il a été racheté avant même que nous naissions. Yes. Yes. Moi, je ne suis pas né parmi les gens qui vont être rachetés. Moi, je suis né pour être les juges. Voilà. Oui, merci. Parce que la Bible déclare que les saints jugeront la terre. C'est au travers de ça que Dieu juge la terre. Yes, ce n'est pas que Dieu va s'asseoir là-bas. Après, le monde va faire un erreur là-bas. Oh. Il va lui dire, allez, enfer. Oh. C'est comme on nous montre là sur les vidéos. On voit un homme qui vient comme ça. Après de ce côté-là, il y a un méchant avec une robe blanche. De ce côté-là, il y a un diable avec la queue. Le diable n'est pas comme ça, il est beau. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça m'a voulu aussi. Alors, le méchant avec une robe comme ça, il regarde là-bas. L'ange, il regarde là-bas. Le feu, il regarde là-bas. Il va dans le feu. Frère, aussi, ça me combine. Chaque personne prend la responsabilité de juger. Yes. Frère, dans ton coin, tu juges. Yes. Mm. Okay. Nous, pour la personne qui a fait pour dire que toi, mon ami, c'est parce qu'on calme. Jugement. Allez, mais ma Branama, frère, il y a ça, Branama, ça a une maman. Qu'est-ce que Branama a fait de mauvais? Branama n'est jamais sorti avec des femmes. Branama n'a jamais bu. Branama avait une vie propre. Une vie irréprochable. On l'accuse de quoi? C'est le jugement. Voilà. Frère, tu verras un homme qui manifeste la haine contre Branham,
Requiert sa vie, madame la salle. Madame la salle, c'est le jugement. Parce que quand Branham vient, il vient condamner toutes les dénominations. Yes. Pourquoi ils aient dit Branham? Parce que Branham était contre les églises. Mm. Et nous aussi, frère, on n'épargnera pas les églises. Mm-hmm. Les églises, maintenant, c'est un endroit où on met les gens dans une prison. On leur montre les dogmes et les créneaux, même dans les messages. Mm. Quand vous allez là-bas prêcher que moi je suis le fils de l'homme, depuis quand on dit aux prédicateurs de prêcher ce qu'on dit? Les prédicateurs doivent être inspirés. On a formé des dogmes et des créneaux, même dans les messages. Et lorsque vous amenez la parole, qui vient briser l'histoire des églises, directement, vous avez des ennemis. Mmh. C'est ça le jugement. Yes. Et le frère Branham dit que quand l'homme est quitté ici, frère Branham dit il y a l'ombre des ombres et des hommes. Après, c'est les océans. Après l'océan, si tu es un enfant de Dieu, c'est la présence de bien-aimés. Mmh. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, directement, on est inanéantissime. Yes, madame, merci. Voilà. Dans les processus, les femmes ne montrent pas qu'on va juger les gens. Non, le jugement se passe ici. Voilà pourquoi les Rwandais disent que tout se fait ici. Yes, sir. Yes, sir. Tout se passe ici. On te juge ici. Je ne veux pas croire la parole. C'est ici que tu seras jugé. Voilà pourquoi, quand il descend, il est le juge avec le soleil, le visage comme le soleil. Et quand il est juge comme ça, frère Branham dit il est là en tant qu'épouse. Amen. Yes, sir. Vous sentez le doute. Mais voyez-vous, dans ce livre se trouvaient ceux qui étaient rachetés. C'était le livre de la rédemption. Tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ce livre. Tout ce pour lui, pour qui il est mort, était inscrit dans ce livre. Et il ne pouvait pas quitter son siège de médecin jusqu'à ce qu'il ait accompli tous les rachats. Ils ne pouvaient pas les racheter à la croix. Car ils étaient déjà prédestinés dans le livre de vie de l'agneau. Alors là, vous comprenez. Amen. Dire que nous attendons d'abord le verre de lui, non, ça c'est injuste. Parce que déjà avant la fondation du monde, on nous a déjà racheté là-bas. Parce que la Bible dit que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde, dans la pensée de Dieu. C'est là que Dieu avait accompli le rachat d'ailleurs. Jusqu'à ce que une femme l'a dit. Prédestiné à la vie de l'agneau. Et il devait rester là à faire l'intercession. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la dernière personne soit scellée. Enfin, la dernière personne soit scellée. Maintenant, est-ce qu'il a quitté le trône d'intercession? Oui. Si il l'a quitté, c'est que la dernière personne est déjà scellée. Amen. Maintenant, ça c'est vrai, voilà. Ça, ce ne sont pas les dogmes et les créneaux. Moi, d'abord, je ne savais pas que c'était comme ça. Quand j'ai lu ça maintenant, voilà pourquoi Dieu voulait qu'il y ait en cet acte qui est le projecteur pour mettre la situation là. Parce qu'on va dire que non, le frère est en train de fabriquer les situations. Ça est là. Même les gens qui vont suivre ça sur la vidéo, filmant mon goût, bataille là, mon goût. Amen. Je vais tout de suite. And he said, the sounding, this time, the mystery of God shall finish. What God is and how he was made manifest. How when the seal was opened, how we begin to understand now how that he was the Son of God. He was God himself, made flesh. And the revelation of what he is that should be finished before the angel can put his feet upon the Lamb and the Son. Yes, la révélation de qui il est devait finir avant que l'ange puisse mettre son pied sur la terre et sur la mer. Wow. Et ça, c'est une promesse accomplie. Quand on dit un pied sur la terre c'est quoi? C'est les États-Unis, c'était la nouvelle terre qu'on est yes, et la mer, c'est le peuple. Après, j'ai dit, c'est tout. Ce n'est pas une mer comme ça. Hier, il y avait un frère qui me dit, ah frère. J'étais parti là-bas au Seigneur, j'ai regardé la mer, moi je dis, oh, quand mon Seigneur viendra, il mettra son pied sur cette mer. Hé, frère, la mer, ça t'abandonne. Le frère nous a donné des définitions. Frère, si on n'a pas de définition, on est comme les dénominationnels. La seule différence entre nous et les dénominationnels, nous, nous avons des définitions. Quand nous parlons de la mer, nous savons la mer c'est quoi. La terre c'est quoi. Et c'est pas pour ça qu'il descend, qu'il met un pied. Ce n'est pas un pied comme le mien ici. Voilà. Ah.
Bon. Dieu n'a pas de merci, il veut toucher, toucher avec vous. The last one of them is Revelation 10. Foot and foot on land and on sea. The heart, time heart run out. Redemption is over. Over. Ça veut dire la puissance de ça. Un pied sur la mer, un pied sur la terre, la rédemption est terminée. Enfin, nous avons le rachat. Vous avez la quête de l'achat. Et ça, c'est le frère Branham qui parle. Si vous avez le pentecôtisme, vous avez pensé à lever. Parce que le frère Branham me dit, quand il met là, un pied sur la terre et sur la mer, la rédemption est over. Alors, il dit soin. Amen. Ah, frère, ça fait du bien quand tu peux défendre ce que tu crois. And how it comes as a lion. Quand il descend la voie de il réagit comme un lion. Ah, là, ce n'est plus l'agneau. Ce n'est plus l'agneau. Vous savez, dans la forêt, dans la forêt, quand les lions poussent un cri, vibration, même les fourmis, les antilopes, tous les léopards, les éléphants, même l'éléphant avec son gabarit, il va bien loin parce que le roi crie. Voilà. Donc Jésus-Christ, quand il descend la protection de 10, c'est-à-dire la descente de l'animal, ce n'est plus un agneau. Non, c'est facile à comprendre. Quand vous prenez ça dans les termes des animaux, voilà, tu comprendras où est-ce que nous sommes avec la dispensation. Voilà. Parce qu'il n'est même pas l'agneau pour toujours. Quand il descend la protection de 10, il est l'agneau. L'agneau, ce n'est pas pour vous faire rire. Non. Au moins, il est en train de dire, c'est pas une arrière. Parce que les gens ne sourient pas. Non, là c'est comme ça, c'est qu'ils sont. Quand tu vois les gens, les gens, les gens, c'est qu'ils se prêtent à te manger. Qui m'a en train de m'enlever là. Amen. Bien sûr. God bless you, brother. Amen. He was alarmed then. How he comes in. As lion of the tribe of Judah. Yes. Il était l'agneau. Et le même agneau, il est venu l'agneau. Voilà pourquoi, quand on dit à Jean, les pleins points, les noms d'attribut de Jean a venu pour le vivre lui. Quand ils tournent comme ça, ils voient quoi? L'agneau. C'est-à-dire, c'était l'agneau qui était sur le point de devenir l'agneau. C'est ça que le frère Branham explique. Oui. Parce que, avant l'ouverture du livre, c'était un agneau. C'est vrai que, j'avais vu voir ça comme ça. L'ancien, frère Branham dit que l'ancien avait raison de dire comme ça. Parce que quand il regarde comme ça, il n'avait pas encore ouvert le livre. Quand il fait comme ça, c'était même le livre de Dieu. Mais l'ancien lui avait dit en termes du livre qui était déjà ouvert. Voilà pourquoi l'ancien avait dit que c'était le livre. Maintenant, quand il prend maintenant le livre, il brise les sorts, directement il change la dispensation. Il n'est plus un agneau, il devient maintenant un lion. Et quand il vient la Corée, chapitre 10, il descend avec un livre qui est ouvert. Plus d'intercession. Amen. C'est moi qui l'ai dit. My. Ça, le titre s'est caché. Aussi bien qu'il demandait qui était dit. Je descends quoi. Moins de livres de la rédemption. Ou du moins de livres. Non, je commence à comprendre. Aussi bien qu'il demandait qui était dit. Il annonçait à ce moment-là. La venue du parent qui n'a rien. Et le voici, un agneau. Et que fit-il s'avança vers le trône où l'Esprit de Dieu se trouvait et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et tous les veillants se prosternèrent en dire et dire, tu es digne parce que tu as été immolé. Voyez-vous, alors son livre, ou du moins le livre de la rédemption, le livre de l'intercession, dans les âges de l'Église furent terminés. Maintenant, il devient rédempteur. Voilà. Ouais. Donc, le mystère du livre s'est révélé quand les sceaux sont brisés. Quand les sceaux sont complètement brisés, les temps de la rédemption est terminé. Frère, est-ce que les sceaux sont complètement brisés? Amen. Donc, c'est que la rédemption est terminée. Oh, la rédemption ne peut pas terminer, ne peut pas finir si le dernier élu n'est pas encore racheté. Voilà. Donc en ceci, nous disons que le dernier élu est déjà racheté.
La rédemption est déjà terminée. Parce que les âges de Christ sont déjà terminés. Voilà. Pourquoi? Parce que nous avons les livres ouverts. Voilà. Quand on a dit, les livres n'est pas ouvert dans les âges de Christ. C'est en dehors des âges. Amen. Mais le livre est ouvert aux âges à mon papa. Parce que l'agneau a quitté les lieux d'intercession pour aller prendre sa position de ses toits. La position de ses toits. Entre temps, il est un médecin. Mais quand la vraie révélation des sorts se fait, quand il commence à être brisé, l'agneau sort du sanctuaire. C'est selon la parole. Nous l'avons lu hier soir. Il est sorti du milieu. Il a pris le livre. Donc, il n'est plus médiateur. Voilà. En effet, il a même appelé un lion. Et c'est le roi. Alors, il n'est pas un médiateur à ce moment-là. Amen. Je m'arrête, c'est pas là. Parce que là, c'est déjà clair. Je n'ai pas ajouté à la décision. Là, c'est clair. Ça ne sert à rien de regarder longtemps. Parce que là, c'est déjà compris. Si j'ai lu encore une citation, je vais commencer à répéter ça que j'ai déjà dit. Donc là, on comprend que quand l'agneau amène le livre ouvert, c'est déjà fini. Donc là, il va se prendre fin. Le dernier élu est déjà racheté. Donc ça, ça ne devait pas être le matin. Ça devait être une joie. Je dis, ah, ouais. Donc j'ai déjà été racheté. Ah, gloire à Dieu. Tu commences maintenant à racheter. Et si tu n'es pas prédestiné, tant pis pour toi. Voilà. C'est la fin. Je ne veux rien pour toi. C'est une affaire de prédestination. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Béni soit-il ton de chef. De son infiniment reconnaissant. Pour la parole que tu as révélée au travers de ton Seigneur. Seigneur, merci pour le retour du livre. Merci Seigneur parce que nous avons vu mon nom au dedans du livre, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons est revenu à la paix. Voilà pourquoi nous jubilons quand la parole est prêchée. Dieu tout puissant, bénis, Seigneur, tes enfants, c'est présent. Bénis chacun de nos pères, dans tout ce que nous allons faire, Père, et les bénédictions célestes pour cette ambition. Oh Dieu, que la gloire et la louange te soient rendues dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Frère, viens. Les renommés. La sagesse du roi. Plus que Salomon. Dans les prédications comme ça, on finit par plus que Salomon.